Yo les gens, c'est Flotini71, donc Cause les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça va bien, parce que moi j'ai la forme comme d'habitude. Et aujourd'hui les gars, c'est le jour J, la sortie du Saint Graal les gars, le Call of Duty, Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered les gars. Et oui les gars, ça fait super plaisir. Donc comme vous avez pu voir à la petite intro qui était assez expérimentale les gars, j'attendais ce Call of Duty de forte impatience les gars. Je sais même pas si ça se dit, mais on s'en bat les steaks. Aujourd'hui c'est un jour de fête les gars, c'est la sortie de Call of Duty 4 sur Next Gen, bordel de merde les gars. Alors aujourd'hui les gars, je suis très simplement très content de vous présenter ce petit gameplay, donc mon premier gameplay sur ce nouveau Call of Duty qui je pense va vraiment être très très apprécié par la communauté, et en tout cas moi je l'apprécie directement. Donc c'est un gameplay en MME avec l'AK-47 en mode lance grenade bullshit les gars, même si je vais pas l'utiliser durant la partie car quand même je me respecte un minimum les gars. Et c'est sur la map vacante, une map qui est une des meilleures maps selon moi sur Call of Duty 4 car elle est assez restreinte et il y a quand même du corps à corps. Enfin c'est une map qui est vraiment pas mal et je l'ai toujours adoré depuis Call of Duty 4 qui est sorti en 2007. Alors pour la petite histoire les gars, ce gameplay ne provient pas de la sortie officielle du jeu, donc il provient du lundi 31 octobre. Pour ceux qui savent, il y avait un petit glitch pour jouer en ligne, donc moi j'ai pu jouer en ligne, bah voilà, j'ai pu monter mes niveaux, commencer à monter mes niveaux au début, donc c'est pour ça c'est un bon petit gameplay. Donc je tiens à passer une petite dédicace à Cocomi, c'est un kit à cette petite partie et qui s'est fait poutrer. Quant à moi mon pote, je sais même pas pourquoi je dis ça, la partie s'est quand même bien passée, donc ouais elle s'est bien déroulée pour moi, donc j'ai pu faire pas mal de kills sur les 75 en match à mort par équipe, et c'est pas mal, c'est une bonne petite partie. J'ai pu les débloquer plusieurs fois les trois séries de killstreaks qui sont à savoir le drone, l'hélico, et la frappe aérienne, voilà. Donc je l'ai pas dit dans le bon sens, mais les gars, c'est pas grave, c'est quand même les 3 kills, et j'ai fait quand même une bonne petite partie, et ça fait pitié. J'ai également fait des petits enchaînements. Bon voilà, donc les gars, j'espère que vous appréciez cette petite, vous allez apprécier cette petite vidéo. En tout cas, moi, franchement, je l'apprécie rien qu'à voir le gameplay. Les gars, franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, j'ai pu mettre la main sur Call of Duty 4, donc j'espère que vous aussi vous avez pu mettre la main sur ce nouveau Call of Duty 4 malgré le prix exorbitant, vu qu'il faut acheter également Infinite Warfare pour avoir ce petit bijou. Mais en tout cas moi je trouve il n'y a que des bénéfices. Je sais pas ce qu'on en pensait, mais moi je donnais mes avis sur cette remasterisation car j'ai pu déjà monter quelques niveaux, je suis déjà niveau 18 à ce jour, et j'ai déjà mon petit avis sur ce nouveau Call of Duty. Alors selon moi, ce remake fait par Raven est vraiment un remake de super bonne qualité. En tout cas, je pense que ça va ravir la plupart des joueurs de Call of Duty. Après, il y aura toujours des personnes qui vont dire « Oh, c'est nul, je préfère l'original. » Ok, on n'a pas l'original, mais c'est vraiment un Call of Duty qui fait vraiment old school. Donc moi, par exemple, tu vois, par exemple, pour moi, par exemple, sur PS3, je trouve qu'on faisait des 1v1 entre potes, on aimait, tu vois, faire des 1v1. Alors que sur PS4, je trouve qu'il manquait un Call of Duty pour faire des 1v1. Style, on disait, ouais, on fait un 1v1, on va y en faire sur Black Ops 3, mais on est obligé de sauter comme des porcs, jouer avec des vieux locus, etc. Même si Black Ops 3, c'est pas vraiment un Call of Duty aussi nul que ça, mais c'est chiant, on peut sauter. Donc on n'a pas, tu sais, le skill nécessaire comme sur les anciens Call of Duty. Donc ça m'énervait un peu, donc j'aimais pas trop faire des 1v1, des trucs comme ça, ça m'énervait. Alors que sur PS3, quand on avait sur MB2, Code 4, Modern Warfare 3, Black Ops 2, on aimait faire des 1v1. Et là, je pense que ça va être le retour des 1v1, des choses comme ça. Car ça va faire plaisir. Maintenant, si on veut faire un 1v1, on va dire, bah vas-y, on va sur Code 4. Ça va faire putain de plaisir, on va jouer au M40A3, R700, Barrette, etc. Et on va faire des flashcopes, des noscopes, etc. Et ça va faire vraiment plaisir. Après les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi au niveau du jeu, donc j'ai pu, comme je vous ai dit tout à l'heure, y jouer, et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de points négatifs. Je trouve que tout est positif. Il y a le côté old school les gars, comme vous pouvez voir à l'écran, ils ont mis la barre des feeds, ils ont remis, bordel de merde, la barre de l'XP en bas, qui était disparue depuis Black Ops 1 et qui était sur le dernier Call of Duty, c'était Modern Warfare 2 si je me trompe pas, et ça fait super plaisir, ça fait old school. Ensuite ils ont mis les killstreaks basiques. Enfin voilà, ils ont tout remis comme avant, le son des armes, les maps, etc. Ça fait vraiment super plaisir. En plus, ils ont rajouté quelques nouvelles choses qui sont vraiment super bien. Après, il y a des gens qui vont rager car ils vont dire c'est pas comme l'original, mais moi je trouve ça super bien. Ils ont rajouté des nouvelles modes comme les missions confirmées. Dommage qu'ils n'ont pas rajouté des nouvelles modes comme le jeu d'armes. Peut-être que ça arrivera un jour. Ils ont rajouté également des nouveaux camouflages qui sont juste super beaux. Ils sont vraiment parfaits ces nouveaux camouflages. Comme pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les nouveaux camouflages, je vous mettrai dans la description ma vidéo que j'ai faite à cet effet. Et franchement, ça fait super plaisir. Il n'y a pas beaucoup de points négatifs sur ce jeu, mis à part
Bah, mis à part, je ne sais pas en fait. Parce que franchement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de points négatifs à ce jour. À part peut-être le seul truc que je trouve un peu moins bien, c'est que la barre des feeds est un peu plus petite que l'original, comme vous pouvez voir à l'écran. Et que quand on appuie, quand on est dans le menu du jeu multijoueur, même s'il est beaucoup mieux, ou même quand on appuie sur Start, enfin Select, pour voir le nombre de kills, etc., je trouve que c'est un peu moins gros que d'habitude. On doit plus, un peu plus pisser les yeux pour voir les animations qu'on a faites, et ça, je trouve un peu ça désagréable. Bon, après, ça dépendra des gens, mais bon, on va dire c'est vraiment tout petit, c'est minime. Mais voilà, franchement, c'est un jeu de haute qualité, et je pense que franchement, les gars, je vous en profite beaucoup cette année. Je pense qu'elle a été une année pour moi sur Call of Duty avec Code 4, et bien sûr, Infinite Warfare, que j'ai posé comme des gameplays, notamment avec le zombie In Space Land. Ou rien que sur Infinite Warfare, mais je pense que mon jeu cette année va se tourner vers Call of Duty 4. Donc voilà, les gars, c'est fini le gameplay. J'ai fait un putain de 8 de ratio, 31-4. Ça fait vraiment plaisir pour commencer sur ce nouveau Call of Duty 4. Ne vous inquiétez pas des autres gameplays en stock sur ce Call of Duty, notamment des dominations avec plus de 50 kills. Donc voilà, j'espère que vous appréciez ce petit gameplay. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à mettre des commentaires si j'ai plus de vidéos sur ce nouveau Call of Duty 4. Donc moi je dis à plus tout le monde à la prochaine. Allez, peace tout le monde, c'était Flotin 7. Allez, peace.